a sight for my soul. Ça fait touriste, tu crois? Oui, totalement. Merde. Ah, je voulais faire un truc cool. T'as fail. Bonsoir. Putain, j'ai pas fini avec ce truc. On vient de finir de manger. En plus, je vous faut regarder genre là. Attends, il est dégueu. Ouais. Attends, il est dégueu. C'est pas le moment de le nettoyer là. Voilà. Ça sera gardé au montage. Donc là, on vient de finir de manger et Hashtag McDo. Non mais parce qu'en fait, si vous voulez, au début on voulait aller chez Hippopotamus et en fait, il n'existe plus. Enfin, en gros, on est passé devant, on arrive au bout de la rue, on était là, bon, ça fait longtemps qu'on marche. Et on regarde sur le plan, on le trouvait pas et au bout d'un moment, on a capté que bah c'est juste qu'en fait, il était complètement en travaux et que du coup, bah voilà. Du coup, on a perdu du temps, comme des cons. Déjà, pour se retrouver, c'était la galère. Enfin bref, mais on vous expliquera peut-être plus ouais, ça, parce que là, c'est un peu le bordel. Genre, on est au pied de la tour Montparnasse, MDR. Je serais même pas si je la filme, oui. Yeah. Du coup là, vu qu'il y a qu'un quart d'heure de métro, on va un peu genre faire le tour parce que, enfin voilà, genre hashtag Paris, il y a des boutiques, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après le bus. Un double bus. Ok. Ouais, du coup il y a plein de boutiques partout, donc on va faire un petit tour, genre voir quelques trucs. J'ai des commandes aussi à poster à la poste, où j'ai pas eu le temps de faire hier. Ah là là. C'était fermé hier, c'était dimanche, donc voilà. Donc voilà, on va aller à la poste et tout, et après on va prendre le métro pour aller à l'hôtel. Ouais, parce que là on est à un quart d'heure en métro de l'hôtel ou un truc comme ça. Du coup, déjà dit. On fait les transitions là. Hi guys. Donc on a la petite carte, on est à l'hôtel, voilà, donc on n'est pas à Paris même à l'hôtel, on a un truc un peu excentré. Et là on va découvrir notre chambre, voilà. Donc on vous emmène. Désolé pour notre table, moi j'ai trop chaud. Ouais, tu fais hyper chaud, c'est pour la marche. 207 c'est là. C'est quoi la chambre? 207. Oui. C'est où les numéros? Ah 209, attends, donc j'ai la passée. C'est où les numéros? C'est en... Attends, 211. 214. 210. 210. Putain, on est blonde. On est à côté de l'ascenseur et on... Attends, non, pas la piscine. Oui, on est tombé sur un PC. On est tombé sur un réceptionniste trop drôle, franchement. Et il nous... il est trop con, ça. Attendez. C'est sur une tour. Oh, excuse-moi. Wow. Putain, c'est grand. Alors, quand on arrive, il y a une penderie. On a une petite kitchenette, comme vous pouvez le voir. Parce que on pensait... Oh, c'est bien, on a un micro-ondes MDR, on peut se faire des... Et puis là, on a nos lits. Et puis on a télé, petit truc, truc, truc. Ouais, il y a plein de... Attends, je vais voir la salle de bain. Alors, on a un immense placard, là, si on veut des trucs. Ah oui, c'est la salle de bain. Oh, on a une baignoire. Oh putain, attendez, c'est où la lumière? Attends, la lumière elle est dehors. Ça c'est... Ça c'est truc de bâtard, la lumière qui est dehors. Il y a une baignoire, les gars. C'est trop bien. Les épées, il y a une méga baignoire. Ça c'est grave. Par contre, ah c'est bon, on a linge 1 et linge 2. Ouais. Ouais, mais c'est bien. Bon là du coup, on va s'installer. On va récompenser. Hey. Dédicace. Non, je sais pas. Comparé. J'ai notre marque de fabrique. On va renommer la chaîne de vlog, tu sais. Peace. Peace et fantasy. Non, je rigole. Peace créa, s'il te plaît. On est bien arrivé à l'hôtel. Voilà. Franchement, il est bien, vous avez pu voir avant tout ça, tout ça. Quelle heure est-il? Il est genre... Que s'est-il passé ouais, pour aussi. Nous retrouver? Oh mon dieu, il faut qu'on vous raconte. Parce qu'en story gros, time. En gros, pour ceux qui ne... Bah, en fait, on l'a pas dit encore. Mais ouais. Vu qu'elle vient de Suisse, elle est arrivée à Gare de Lyon et moi à Montparnasse. Et elle est arrivée avant moi, donc vers midi. Ouais, mais genre de 10 minutes avant, donc c'est... Et
En plus, vu que moi, il y avait le métro direct pour aller à l'hôtel qui partait de Montparnasse, du coup, bah, c'est elle qui m'a rejoint à Montparnasse. Sauf que problème, c'est que bah, on s'est perdu. Enfin, je savais pas où l'attendre. Et vu qu'elle a pas de... Bah, en fait, moi, j'ai pas la 4G en France et tout. Enfin, sinon, je paye de ouf. Et bah déjà, pour moi, aller de... Gare de Lyon à Montparnasse, c'était entre 20 et 30 minutes de métro et trucs comme ça. Donc j'arrive à Gare de Lyon, chope vite fait le wifi pour dire à Alison que je suis arrivée, tout ça, tout ça. Moi c'était là, ça faisait une demi-heure que j'attendais devant la sortie du métro, j'étais là, là j'étais pas encore arrivée là. Et après, bah, je descends pour aller au métro et là je dois prendre mon ticket de métro et ma carte de crédit elle passait pas. Un automate, j'ai réessayé 4 fois, j'étais là putain c'est bon, je vais encore rester là, je sais pas combien de temps. Et il y avait super beaucoup de monde. Et au final j'ai trouvé un autre automate où là ma carte elle passait, voilà. Et péripéties qui nous arrivaient beaucoup trop de fois sur le trajet. Et ensuite bah du coup j'ai pris mes métros, enfin je savais quel métro je devais prendre et tout ça. Et après j'arrive à Montparnasse, et Montparnasse quand vous expliquez qu'elle est en travaux la gare. Déjà t'arrives à Montparnasse, il y a genre 5-6 sorties de métro, tu sais pas laquelle prendre. Du coup j'en ai pris une au bol en mode je verrai une fois que je serai en haut quoi à la surface. Et bah je vois la gare et tout, mais la gare il y a genre 4 méga halls, enfin elle est méga grande, puis comme il y a des travaux partout c'est incompréhensible. Ouais, et puis moi je l'attendais, moi et je pensais qu'elle sortirait à l'intérieur de la gare, bah, le truc, et elle est sortie à l'extérieur, genre il y a genre 5 sorties et tout. Et bah après moi je captais pas, ouais, voilà, j'avais pas le réseau, donc on pouvait pas communiquer tant qu'elle était pas dans la gare. Et après elle chopait le wifi de la gare. Après elle m'avait envoyé un message en mode ouais je suis au hall 2, nanana. Parce que moi ils dataient ces messages, parce qu'entre temps il y avait une demi-heure qui était passée, ouais. Et depuis que je t'avais envoyé le message j'avais bougé et tout, je m'étais rapprochée. Mais je m'étais pas rapprochée. Moi du coup je m'étais fillée de ça, du coup je me suis... Bref, on a mis presque une heure à se retrouver. Voilà, du coup là le plan il est genre 3h15 et bah on vient d'arriver à l'hôtel, du coup on va peut-être genre se rafraîchir du... Ouais, genre on se pose un peu et après je sais pas. Après on voulait peut-être aller faire des courses, genre. Ah oui, il faut qu'on fasse des courses pour manger. Mais le petit déjeuner on l'a entre 7 et 9h, donc c'est bien parce que ça nous poussera à nous lever. Ah oui, parce que truc super bien, je n'ai jamais vu ça. Dans notre réservation déjà on paye la chambre vraiment pas cher. Mmh. Même si on n'est pas dans Paris même, on paye vraiment... On est vraiment bien, enfin on est pas mal situé, enfin le métro est quoi, 5-10 minutes à pied. Ouais, et après franchement la ligne de métro c'est la 13. Et du coup elle va directement, elle passe par bah, Montparnasse directement. Les Champs-Elysées. Elle va aux Champs, elle va aux Invalides, enfin elle passe par plein de trucs, du coup elle est vraiment pratique je trouve. Et ouais du coup le prix est grave pas cher pour la chambre et tout, et on a le petit déjeuner compris dans le prix. Donc tous les matins on peut prendre le petit déj à l'hôtel et tout, sans payer de supplément, donc bah voilà, genre autant en profiter. Cette ténor guillemets en train de saigner du nez. Oh mon dieu. Ouais mais arrête parce que s'il y en a qui ont la phobie du... Ça va, Stranger Things. Donc là on va faire les courses au petit carrefour du coin. Et voilà. Pour acheter à manger, parce qu'il faut manger. Bon du coup on est de retour dans la chambre, on a été faire courses. Ah quelle galère. Alors... Ah oui, non mais parce qu'il faut vous raconter toutes les galères avec les machines. On repère un carrefour sur Google Maps là depuis l'hôtel vu qu'on a le wifi et tout ça. Et en fait c'était kiff kiff avec l'intermarché. Ouais c'était kiff kiff avec l'intermarché, mais on s'est dit c'est sur la même rue le carrefour, alors on y va. On marche dans la rue et il n'y avait pas de carrefour du tout. Donc c'est genre quoi, c'est la deuxième fois qu'on a un truc qui... Oui le premier c'était le Hippopotamus qui au final n'existait pas. Ah il y a le Stradivarius aussi. On a vu un Stradivarius qui est pas vers à côté de l'hôtel. Ouais déjà moi je trouve que c'est un peu chelou hein, mais... Ouais en vrai c'est un peu bizarre qu'il soit paumé comme ça, mais au final il n'existe pas. Sur la carte c'était marqué qu'il y en avait un. Enfin bref, du coup on a fini par aller dans un marché qui était limite plus proche. Ouais c'était plus proche et en fait c'était hyper grand. Et du coup on va vous faire un petit peu un haul course, parce que genre nos plans en fait c'est de se cuisiner ici à manger le soir, enfin deux soirs du coup. Le dernier on voulait manger dehors. Testo, ouais. Et après de se faire un Tupperware pour le midi, enfin on a chacune pris un top. Pour de se faire un repas froid en fait. Comme ça c'est moins cher, ouais, que c'est plus rapide et ça évite de bouffer un McDo tout le temps. Du coup bah là en même temps qu'on va ranger les courses on fait un haul. Ah ouais, devant le frigo. Non mais n'importe quoi. Alors on a pris des desserts, on a pris des petites danettes liégeoises comme ça. Attends. C'est pas la peine d'expliquer. Hop, des lardons, parce qu'en fait on veut se faire un plat de pâtes avec genre plein de trucs dedans, aléatoire, random. Courgettes, poivrons. Voilà. Parce que les légumes... Ah oui, faut qu'on vous raconte pour la courgette. Faut qu'on vous raconte pour la courgette. C'est bien du nom ou pas? Oui. Oui, je sais que c'est
comme ça. Non, parce que la machine qui en plus ne marchait absolument jamais. Ouais, en intermarché, on a scanné nous-mêmes nos articles et genre ça dit vraiment tout ce que t'achètes mot pour mot. Et genre, en plus, elle marchait pas. À chaque fois qu'on scannait un truc, il fallait poser. Genre, tu peux. Elle était là. Oui. Le poids est incorrect. Du poids, un litre de boisson, c'est un litre de et boisson. Et genre, il y avait un gars à côté de nous, il achetait des tomates, ça fait. Placez vos tomates sur la balance. Et nous, on a vu que la courgette, ça fait placez votre cucurbitacé. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça s'appelle et tout. Mais c'était hyper drôle, moi je m'y attendais tellement pas. Enfin bref. Placez votre cucurbitacé. Ensuite, elle a pris ça, c'est genre un peu du Schweppes, version pas Schweppes. Ça, c'est des snacks pour emmener avec nous. Petit creux et ouais, tout, on s'est dit, on prend un petit snack, genre, voilà. Parce que les déjeuners, c'est quand même tôt. On s'est pris, ouais. Cuisiner, ouais. Même si ça va utiliser que pour un repas, mais bon, tant pis. Bon, on verra, mais au pire, on peut en rajouter pour la salade et tout. Du chocolat, pour moi, je sais pas si t'en voudras. Moi, j'aime trop aussi, donc. Voilà, bon, on partagera ta bête, c'est trop bon. Ensuite, on a pris, parce qu'on est de ouf, c'est marde. Ouais, on a pris deux plats à préparer. En fait, c'est con parce qu'on a pris genre un appart hôtel avec cuisine et tout. Et au final, ouais, mais en vrai, genre, on a deux plaques donc on peut pas non plus se faire élaborer de ouf. Et puis on se disait, genre, demain on risque d'être fortement crevé après la journée qu'on se tape. Du coup, on s'est dit que c'était. Mais pourquoi tu fermes, je les mets dedans? Ah, pardon. On s'est dit que c'était peut-être genre bien de prendre ça. Et après, on a pris des pâtes parce qu'évidemment, voilà. Genre ouais, on s'est pris des pâtes. De pâtes et tout. Comme ça, ce soir, on mange pâtes. En fait, on va mélanger les pâtes. En fait, on va faire un gros plat de pâtes avec tout ce qu'on a acheté et on va diviser en quatre. Donc, deux repas pour ce soir et deux repas pour demain. Bon, alors, il est actuellement 19h. Je sais pas. Non, j'ai dormi un fléchir. Et. On vient de regarder un petit film sur Netflix et on vient de perdre 1h30 de notre vie. Il était nul. Il était extrêmement nul, donc il vient de sortir. C'était quoi le nom déjà? J'ai oublié. Je sais pas, mais en gros, genre, enfin, la bande annonce, elle avait l'air stylée. Swept, c'était ça. Ouais. Et genre, on va regarder le film et genre, c'est plat. Mais en fait, c'est même pas que c'est plat, c'est juste que. Si, c'est plat. Mais en fait. Il dure 1h30 donc c'est la taille classique, mais il n'y a pas d'action et chaque scène en fait, enfin chaque situation elle dure hyper longtemps et il n'y a pas de musique de fond, il y a 2-3 moments drôles mais bon vite fait, il n'y a pas d'action, genre le seul truc d'action qu'il y avait c'est une meuf qui poursuivait un mec avec un chandelier quoi, enfin c'est... J'étais là waouh. Non vraiment, même à la fin je pouvais plus, genre j'étais là bon, quand est-ce qu'il y a la fin, la chute. Elle a duré 30 secondes et c'était 7 minutes avant la fin. Voilà, donc c'était très chiant. Bon, du coup, maintenant pour dédéprimer, on va se faire à manger. Et voilà. Puis ce soir, il y a le Roi Lion qui passe à la télé. Bon donc là c'est clairement la galère, genre ça fait une demi-heure qu'on est à la cuisine et les plaques en fait sont pas puissantes du tout. Mais c'est même pas qu'elles sont pas puissantes, genre elles chauffent à peine les plaques. Et enfin elles sont chaudes mais je sais pas, ça veut pas chauffer dedans et le truc c'est qu'on a des courgettes et des lardons à cuire. Donc, au moins on a des pâtes, les pâtes elles ont cuit. Donc. Ouais les pâtes ça va, mais étonnamment elles ont cuit dans de l'eau qui ne bouillissait pas. Je sais pas comment on conjugue ce verbe. Et du coup bah on a dû diviser en deux parce que genre là c'est n'importe quoi. Ça bon bah au final c'est à peu près cuit.
pas totalement, mais c'est mangeable, donc on va y aller parce que là, on n'a pas envie de... Les lardons, c'est juste assez. Ouais, mais on n'a pas envie de cuisiner pendant une heure, donc on verra. Et puis on verra comment on fait demain. On a même testé de faire genre des... Enfin, de mettre de l'eau, de la bouilloire dedans. Ce qu'on a fait pour les pâtes, d'ailleurs, on a fait bouillir les pâtes avec de l'eau de la bouilloire, mais... Ça a pas trop marché pour les légumes, donc voilà, au pire c'est mangeable, donc ouais, on se débrouille. On a fini de manger, on a réussi. Mon Dieu, à faire un truc potable. Ouais, franchement, en pays entre 20. Pendant qu'on mangeait, on a laissé cuire l'autre partie des légumes et franchement, on a goûté, c'était bien bien meilleur après. Ouais, et bon, on avait la flemme d'attendre une demi-heure pour manger quoi. Du coup, on a refait une session de pâtes. Du coup, on peut vous montrer, regardez, nos petits lunch pour demain. Attendez, je vous mets un peu. Ah bah non, ça suffit en fait. En fait, on va pas mettre les vlogs sur notre chaîne de vlog. Oh my god. Donc, bah, vous vous en doutez, vu que vous voyez ce vlog là sur ma chaîne. Parce que déjà, il y aura que 4 vlogs, vu qu'on reste que 4 jours. Et puis. N'importe quoi. Et puis, bah, si vous voulez, enfin, sur la chaîne de vlog, il y a forcément tout le monde qui nous suit. Donc, c'est peut-être plus sympa pour vous de voir sur la chaîne principale. Ouais, puis même vu que c'est un petit peu différent d'habitude et tout, bah, autant en profiter pour juste montrer sur la chaîne normale. Exactement. Et du coup. Vous aurez le vlog 1 et le vlog 3 sur ma chaîne et le vlog 2 et 4 sur la sienne parce que c'est plus simple pour nous pour des raisons logistiques. Bref, voilà. Donc après ce vlog, il est peut-être pas aussi ouf parce qu'on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Bah vous nous aurez vu galérer en cuisine, galérer en orientation, enfin voilà. En fait on vous aura plus parlé vraiment que montrer des choses parce que, comment vous expliquer, moi quand j'ai juste filmé dans le TGV, après quand j'ai dû prendre le métro de ça, j'étais tellement en stress et en panique de savoir où est-ce que j'allais aller et de savoir si j'arrivais à prendre mon billet. Puis même enfin, on n'a rien fait, on n'a rien visité ou quoi, donc non, voilà. C'était très chill. Mais demain donc pour le vlog numéro 2, vous aurez une journée assez shopping parce que voilà. En fait c'est un peu tout ce qu'on a prévu de faire. L'amour brille sur les étoiles. Tu as un concert à elle-même. La terre entière en parfaite harmonie. Ça va refaire comme il y a 2 ans où on n'arrivait pas à faire la fin d'un vlog. 8 minutes pour faire la fin d'un vlog, bref. 6 minutes déjà. Non, my god. Et donc voilà pour ce premier vlog à Paris avec moi. Tu vas me dire un coup. On espère que ça vous aura plu et puis bah on vous dit à la prochaine dans un nouveau vlog. Pour le vlog numéro 2, on fait genre tu fais un pisse dans l'autre sens et on fait ça fait un dièse. Ouais. Hashtag Paris. On va finir là-dessus, je pense. Oui. Cause aside from my soul.